Après la mort de son second mari, ainsi que de son deuxième enfant, Sommer, la bibliothécaire, décida de revendre la maison familiale. Elle prit soin de revendre chaque objet, soi-même, pour être sûre que rien ne lui fasse rappeler sa vie antérieure. Son premier fils était aussi de trop. Pour réellement reprendre sa liberté, elle se devait de l'abandonner dans la forêt. Steve Jr. marcha de longues heures avant de s'écrouler, en suffoquant de froid, appelant sa mère et son père pour venir à son aide. Mais rien. Sommer, quant à elle, décida de se reconvertir dans la bétonnerie. Elle s'activait jour et nuit pour payer les factures qui s'accumulèrent. Les pensées sordides lui montèrent en tête à chaque fois qu'un enfant blond avec ses parents lui adressait un regard. Elle se découpa trois doigts avant de se tirer une balle dans la tête. Yep, salut à toutes et à tous, ça est Léta et bienvenue dans ce deuxième épisode de Modpack. Je suis très content de vous retrouver. Vous avez été tellement nombreux à venir découvrir la chaîne et le premier épisode de Modpack, donc ça vous a énormément plu. On m'a demandé la suite au moins une bonne centaine de fois, donc nous y voici. On va pas faire une série que de la famille de Steve, mais on va faire un nouveau modpack ce coup-ci. Et par contre, j'ai quand même réinstallé MCA pour éviter d'être un peu tout seul, voilà, dans la vidéo. On va reprendre une petite copine, voilà. Le nouveau Steve, la réincarnation de Steve, qui est d'ailleurs carrément très moche et très buggé aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que c'est un Steve. Donc voilà, il s'est retrouvé une femme, etc. Donc voilà. Et il s'est mis à la drogue. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve sur le... Attendez que je trouve ça... Sur le Medusa's Drug Craft, donc qui est un modpack basé sur la drogue. Vous allez tout retrouver, n'hésitez pas à aller dans la description, voilà. Peut-être pas la map, du coup, vu que c'est pas la mienne. Mais en tout cas, les mods que j'ai utilisés, les shaders, le resource pack, etc. De toute façon, le resource pack, c'est toujours le même. C'est le Modern HD. Moi, je kiffe celui-là, Modern HD, c'est parfait. J'ai installé un mode de voiture et je me suis rendu compte que c'est des voitures... Merde. Que c'est des voitures complètement fictives. Regarde, on va mettre une bleue. Alors, voilà. Et je ne peux pas rentrer dedans. C'est simplement de la décoration, voyez. Donc comme je vous ai dit, ici on cultive de la drogue à cet étage. Et du coup, ici on a de la peyote, ou du peyote, je sais pas comment on dit ça. Je sais que c'est un cactus en vrai, qui est utilisé par les chamans amérindiens, enfin indiens du coup, qui l'utilisaient pour avoir des visions, pour rentrer en transe, etc. Donc ça c'est voilà, c'est une drogue parmi tant d'autres dans le modpack. Ici on a du tabac qui n'est pas une drogue mais qui a un petit effet, j'allais dire, énervant. Et de l'autre côté on a du cannabis, oh oui. Ah, ça c'est du bon cannabis. Vous sentez cette odeur. Je vous ai pas présenté la chambre. Et bon, évidemment, comme je fais dans la drogue, je suis armé. Voilà, armé jusqu'aux dents. Armé jusqu'aux dents pour protéger mes plantations. Donc, nous voici dans la salle de bain. Mm-hmm. Que je ne peux pas utiliser. Par contre, je peux utiliser les toilettes. Oh, oh putain. Ici, on a plein de cocaïne. La cocaïne, la drogue. Et des seringues de cocaïne et de la caféine. Donc voilà, on va commencer tout tranquillement à se défoncer la tête. Bah, on va commencer avec l'alcool. On va déjà se bourrer la gueule, si vous me le permettez. Du coup, ça, je vais le mettre ici. Et ça, je vais prendre tout ça pour moi. Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est pareil, ça aussi, je vais prendre. Non, mais oh. Voilà, c'est parfait. Alors, bah, buvons un petit coup alors. À votre santé! À votre santé! Ça commence déjà à tourner. Oh putain. Oh! Ah putain, konnichiwa la pute. Par terre, dans un sac Ikea. Et regardez ce qu'on a là-bas. Aïe aïe aïe, putain, je commence à. Aïe. Oh putain. Et c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe dans mon appart? Ah, une bonne vodka. Oui, ah, Bazzi, je sais pas ce que c'est. Du gin. Oui, du gin, c'est bon le gin. Wet wash.
je sais pas ce que c'est non plus. Et ah bah voilà, du thé au cannabis encore. Impeccable. Il me reste encore pas mal de bière, mais vous savez quoi? On va quand même garder de côté à la fin pour se faire une méga, méga défonce. On va se faire un melting pot de coke, de cannabis, etc. Et d'alcool. Enfin, écoutez, on va aller fumer une petite cigarette pour commencer en douceur. Allez, petite clope. Ah, oula, oula, oula. Allez, une petite. Non, encore, attendez. Non, ouais, c'est passé trop vite là. Il m'en faut au moins 3-4. Comme ça, ça en fait 5. 5 clopes. Ça me fait rien. Non, ça fait rien la clope. Je pense que quand on est en survival, la cigarette, ça doit vous enlever un petit peu de vie quand même. Je crois, je pense. Est-ce qu'on se ferait pas un petit joint là? On va fumer le cigare. Et du coup, lui, on peut le fumer en plusieurs fois. Voilà. Il met un petit peu de temps à se consumer. Ce qui est très bien. Et puis je pense que en fait on va attendre que l'effet soit passé et on va récupérer tout ce qu'on peut pour se défoncer. Nous voici à l'étage avec les magnifiques buildings. Alors cette map, hein, vous pouvez pareil la télécharger. Alors je sais pas, je vais vous donner le lien pour télécharger la map, mais pas pour télécharger le petit. Voilà, vous ferez vous-même votre appartement, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben on va se mettre ici et on va se prendre une bonne seringue. Une bonne seringue. Non, on va fumer les joints de peyote avant. Allez, un petit joint de peyote. Un deuxième. Un troisième. Ok. Oh! Ça y est! Je crois que je comprends. Je crois que je vois c'est quoi les effets. Eh bonjour! Eh bonjour! Est-ce qu'on retirerait pas le shaders? Attendez, je vais. Ah bah, tant qu'à faire, je vais mettre le acide. Oh yes, c'est parfait. Oh, c'est énorme. Ah purée. Oh là là, putain. Ah, c'est trop drôle. Ça fait un peu flipper quand même. On dirait que l'immeuble va nous tomber sur la gueule, quoi. Oh là là, purée. T'imagines, tu te lèves un matin, tu vois ça dehors. Tu vois la route comme ça. Tu vois ton monde, il est comme ça. Non bah, putain. Les champis! Les champipi! Let's go! Crazy, crazy, crazy! Oui, vous avez le droit de me frapper pour une chanson pareille. Je sais pas si ça me fait effet. Ah oui, ça a l'air de tourner un peu. Ah ouais, un peu comme l'alcool. Oula! Oh! Oula là, je suis super lourd là. La caméra, elle est super lourde. Je suis obligé de faire un écart de folie avec la souris pour tourner la tête sur la droite. Aïe, aïe, aïe. C'est pas top, hein. C'est mieux pour l'instant, le peyote. Oh, purée. Oh, énorme. Ah, oh, c'est trop drôle. Ah, putain. Non, mais... Ah, mais il me suit. Non. Non. Laisse-moi tranquille. Ah, putain, c'est trop drôle. Alors ça, c'est inédit. J'avais pas essayé les champignons. Putain, il m'a fait limite peur, quoi. C'est mieux le... Bon, mis à part ça... Est-ce qu'on se ferait pas une petite seringue de coke? Allez, c'est parti, let's go. Seringue de coke à volonté, les amis. Alors là, ce que vous voyez là, je suis en train de sauter tout seul. Et pareil, il donne des coups dans le vent, mais c'est pas moi qui les donne. Hein. C'est vraiment le perso là. Attendez, je vais finir de prendre tout ça là. Ah, la cocaïne à fond là. Voilà, voilà. Et alors là, je ne touche rien là. Là, c'est pas moi qui joue là. Pareil, j'enlève la souris. Ok, est-ce qu'on se ferait pas... Oh! Non! Oh purée! Le cœur d'Aileta s'est arrêté de battre! Oh mon dieu! Et voilà! Yeah! Ok, bah c'est cool. Ok, c'est cool, c'est cool. Je peux même récupérer ma tombe comme ça. Ouais, c'est parfait. Nickel, gros. Donc oui, alors trop de coke ou trop de caféine, je sais pas ce que c'était l'un ou l'autre, ça, je pense que c'est la cocaïne. Du coup mon cœur s'est arrêté de battre. J'ai bien envie de retenter l'expérience mais avec de la poudre cette fois. Allons-y. Défonçons-nous à la poudre. À la poudre. La blanche. De la bonne blanche. Ah. Ah. On va boire un petit thé au cannabis pour calmer un petit peu la cocaïne. La caféine surtout. Pour nous apaiser. Après il y en a beaucoup. Ah, mon bonhomme a l'air de se calmer. Il était pas loin de la crise cardiaque. Hein.
petit coup de peyote. Qu'est-ce que tu fais au-dessus de moi là? Ah bah regardez. Hey, salut! Attends, j'arrive! Le mec il tape un saut comme ça. Alors, qui es-tu, toi? Andrea, la fermière. Eh ben écoute, Andrea, bonjour. Alors, interact, flirt. Leave me alone. Comment ça, leave me alone? Dégage! Tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième mode pack. On va aller faire un petit tour en ville maintenant. Je vais prendre les motos avec moi. Hop! Je commence à plus être trop défoncé là, ça va. Et ok, j'ai rien dit. C'est parti, on prend la corde. Et oui! Ah, c'est trop génial. J'adore les modes. C'est trop bien. Du coup, eh bah écoutez, du coup, on s'est fait plaisir une fois. On va se refaire plaisir une deuxième. Allez, c'est parti. Oui! Ah, oh, j'adore. Oh non, un vent me transporte vers la police. Et du coup, j'ai pas pris de drogue. Si, j'ai pris de la drogue. Ouais, je vais leur amener un petit, je vais amener un petit peu de coke à la police. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ah, ça, c'est joli. Ouais. Un petit dessin. Pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est là-haut? Ok. Et nous voilà de nouveau à l'appartement où on va conclure cet épisode. Je voulais vraiment vous remercier pour tous ces likes, tous ces commentaires sur le premier épisode. J'ai eu un boost de 5000 abonnés en 2 semaines sur la chaîne. Donc ça, c'est franchement, je suis passé de 500 à bah, du coup 5500. Et ça, c'est vraiment ouf. Vous avez été super sympa dans les commentaires. Enfin, que plein de trucs motivants pour vous faire une suite. Et j'espère en tout cas que ça a été à la hauteur du premier. Que vous êtes bien marré pendant cet épisode. Autant que moi que je l'ai fait. Restez bien jusqu'au bout d'ailleurs. Hein, et bah, moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Des bisous. Ciao, ciao. Tchuss. 10 joueurs arrière. Vieira, où est pour Ribéry qui va arriver devant Casemiro. Imodium Lingus, le suppo accessible à tous. Par douleur. C'est la distance de sécurité entre toi et la mort. Hop. Sur les lieux, nous sommes dans l'hélicoptère qui survole le quartier des affaires où nous avons été appelés pour constater un étrange phénomène. Oui, nous survolons actuellement cette énorme chose qui paraît brûler à une de ses extrémités. Oui, mais oui, Denis, il semblerait que cela soit un énorme pétard. Oui, c'est ça, un joint immense qui se consume au-dessus de ces gratte-ciels. Le spectacle est incroyable et je peux sentir d'ici la fumée qui me monte à la tête, mon petit Denis chéri. Je vais rendre l'antenne et aller m'enrouler un hein, moi aussi.